Bonjour, avant de vous parler de ce qui se passe en Ukraine et dans le monde, il y a une info qui m'a fait un peu rire, je dois dire. Le ministre de la Défense allemand, ou la ministre plutôt de la Défense allemand, a démissionné. Encore ? Mais j'aimerais vraiment pas être ministre de la Défense en Allemagne. C'est un poste fort instable. Un petit récapitulatif. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, jette l'éponge. Sa démission n'est pas une surprise. Cette dernière était critiquée et sous pression depuis plusieurs mois, après une série de bévues et de déclarations jugées maladroites. Dans sa lettre de démission adressée au chancelier social-démocrate Olaf Scholz, elle déplore la focalisation des médias sur sa personne. Cela ne permet guère d'établir des discussions objectives sur l'armée allemande, écrit-elle. Son départ intervient alors que Berlin prévoit des investissements massifs pour moderniser son armée suite à la guerre en Ukraine. Christine Lambrecht avait été l'objet de vives critiques de Kiev en annonçant notamment l'envoi de milliers de casques quand le régime de Volodymyr Zelensky réclamait des armes lourdes. Face au scandale, le ministre allemand de la Défense a jeté l'éponge et devant la presse réunie à la hâte, il a indiqué qu'il démissionnait de son poste et de tous ses mandats. Ursula von der Leyen sur le grill ce jeudi. Ce n'est pas la présidente de la Commission européenne, mais l'ancienne ministre allemande de la Défense qui était auditionnée par une commission d'enquête au Bundestag. En cause, de juteux contrats attribués à des consultants extérieurs au cours de son mandat entre 2013 et juillet dernier. La menace d'une nouvelle guerre froide, voire d'une guerre, est-elle réelle? Ou la Russie et l'OTAN veulent-ils simplement montrer leurs muscles? Je ne dirais pas que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Mais c'est vrai que nous faisons face à une situation sécuritaire très complexe. D'un côté, un conflit est en cours au cœur de l'Europe, et c'est très inquiétant, bien sûr. Et ce conflit risque de créer une escalade dans la confrontation entre Est et Ouest. Dans le même temps, existe aussi une coopération étroite, par exemple dans la lutte contre le terrorisme. Ici, récemment, à Vienne, une décision a été prise sur la cybersécurité. Mais la Pologne, comme vous le savez, est inquiète, tout comme les pays baltes. On constate bien sûr que la Russie est en train de réagir en quelque sorte à l'expansion des institutions euro-atlantiques en créant son propre espace autour de la Russie, à travers la CEI, l'Union économique eurasiatique, etc. The logic is a logic of pushing in a way. La logique consiste en quelque sorte à presser, à renforcer aussi ses moyens militaires, et cela accroît le risque d'un accident qui pourrait générer une crise. On l'a vu en Syrie avec l'avion russe abattu par la Turquie. Ces incidents peuvent toujours susciter une escalade. Ce qui m'inquiète, c'est que pendant la guerre froide, nous avions développé ici à l'OSCE un certain nombre d'outils pour gérer les relations entre armées, le désarmement et des mesures visant à établir la confiance qui était approuvée par les deux camps.
L'efficacité de ces outils est aujourd'hui remise en cause. C'est très compliqué de les utiliser à l'heure actuelle parce que le dialogue est devenu plus difficile. Et donc, nous n'avons pas de filet de sécurité aussi efficace que celui que nous avions pendant la guerre froide. Votre organisation, l'OSCE, est chargée de contrôler le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Nous avons vu dans notre reportage qu'il n'est pas respecté. Pourquoi ? Nous essayons d'engager la désescalade de la situation sur le terrain parce que nous constatons des violations permanentes du cessez-le-feu. Je dirais qu'elles sont devenues systématiques en l'état actuel des choses. Cela s'explique en partie parce que les lignes de front des différents camps se sont rapprochées. Parfois, il n'y a que 100 mètres qui les séparent et donc cela crée les conditions pour des échanges de tirs continus. Donc, nous tentons d'obtenir un désengagement tout le long de la ligne de contact. Cela reste une priorité pour nous parce que cela permettra aussi de créer un meilleur contexte pour des progrès au niveau politique. Les recherches se poursuivaient ce dimanche pour retrouver des survivants et des corps dans les ruines d'un immeuble de Dnipro, touché la veille par un missile russe dans l'est de l'Ukraine. Un dernier bilan, qui devrait encore s'alourdir, faisait état de 29 morts et d'une quarantaine de disparus. Le gouvernement ukrainien a accusé les forces russes d'avoir utilisé un missile à haute précision. De quoi avons-nous besoin ? Des armes que nos partenaires ont dans leurs entrepôts et que nos guerriers attendent. Outre Dnipro, les bombardements russes ont visé samedi plusieurs régions ukrainiennes. Les frappes ont à nouveau ciblé les infrastructures énergétiques, occasionnant de nouvelles coupures de courant sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions de Kharkiv et de Lviv. Pour les Ukrainiens, l'hiver sera long et douloureux. La bataille de Soledar aura été le fil rouge de l'actualité du conflit en Ukraine ces derniers jours. Après des semaines de combats acharnés, le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, a publié mardi soir une vidéo de lui et de ses hommes dans une mine de sel de Soledar, dans laquelle il affirme que la ville est encerclée. Une information démentie par Kiev et pas immédiatement confirmée par les autorités russes en raison des combats pour le contrôle de la localité qui continuaient sur place. Et ce n'est que vendredi que le ministère de la Défense a publié cette déclaration. Dans la soirée du 12 janvier, la libération de Soledar a été achevée, ce qui est important pour la poursuite du succès des actions offensives dans la direction de Donetsk. L'établissement du contrôle sur Soledar permet de couper les voies d'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans la ville d'Artyomovsk, située au sud-ouest, puis de bloquer et d'encercler les unités des forces armées ukrainiennes qui y restent. Tout au long de la semaine, il a également été question du rôle du groupe Wagner dans cette bataille de Soledar, Yevgeny Prigojine ayant déclaré que ses hommes étaient les seuls responsables de cette victoire. Tant et si bien que le ministère russe de la Défense a cru bon de faire une mise au point. Les actions offensives dans cette zone tactique qui ont abouti à la défaite des forces armées ukrainiennes et à la prise de la ville de Soledar ont été menées par un groupement hétérogène de troupes russes selon un plan unique qui prévoyait l'exécution d'un ensemble de missions de combat. En ce qui concerne l'assaut des zones résidentielles de Soledar, occupées par les forces armées ukrainiennes, cet objectif a été atteint avec un succès grâce au courage et à la vaillance des volontaires des unités d'assaut de la SMP Wagner. Aujourd'hui encore, les Ukrainiens estiment que les Russes ne contrôlent toujours pas Soledar et que les combats continuent. Avec la prise de cette localité, les forces russes espèrent quant à elles perturber la logistique de l'armée ukrainienne et entendent désormais concentrer leurs efforts sur la localité voisine de Bakhmout, où les combats font rage depuis déjà plusieurs mois. Une dynamique au demeurant jugée positive par Vladimir Poutine, qui estime que tout se déroule selon les plans établis. La guerre en Ukraine où les drones jouent un rôle déterminant, on les a déjà vus à l'œuvre au Sahel ou en Syrie, les experts militaires sont unanimes, c'est un dispositif en pleine expansion et William Molinier, cela pose un réel défi technologique et industriel pour les armées occidentales.
Oui, Russes et Ukrainiens utilisent massivement des petits drones pour localiser les mouvements de l'ennemi et diriger les tirs d'artillerie. Ils ont recours aussi à des drones kamikazes chargés d'explosifs qui se déclenchent lors de l'impact avec la cible. Du matériel bon marché, celui que Moscou utilise, le Shahed 136, coûte 20 000 euros pièce. Quand en face, les Ukrainiens doivent déployer une défense aérienne horriblement chère, jusqu'à 500 000 euros pour le tir d'un seul missile solaire américain NASAMS. Une asymétrie des coûts qui a poussé les Ukrainiens à concevoir leur propre modèle de drone chasseur de drones. Le Fowler est capable de voler à 180 km/h et jusqu'à 1 km d'altitude. Il peut capturer dans un filet un drone ennemi, voire même le percuter pour le neutraliser avant de rentrer sur sa base. Un prototype a été dévoilé en octobre dernier, mais son utilisation n'a pas encore été observée sur le champ de bataille ukrainien. Mais je suis très inquiet de ce qui se passe en Ukraine. Je crois qu'il faut en parler et prendre un peu de recul et voir que les deux forces sont en train de se muscler. Des deux côtés, on sent une volonté d'aller au bout des choses, de ne pas reculer, de ne pas négocier. Et c'est extrêmement grave. Il y a eu un remarquable article d'Emmanuel Todd, comme toujours, dans le Figaro de vendredi. Je vous recommande cette interview, lisez-la. Et Emmanuel Todd, comme toujours, a une analyse implacable, froide, lucide des choses. Et il explique très bien que l'Occident est dans une impasse. Il explique très bien que les médias français et occidentaux sont dans un délire total et sont en train d'enfermer l'opinion dans une fuite en avant, et que nous risquons de le payer extrêmement cher. Alors, il explique finalement la résilience de la Russie, mais sur le plan économique et géostratégique, géopolitique, est en train d'organiser le contournement de l'Occident avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran, avec le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite qui est en train de lâcher les États-Unis, avec l'Afrique, avec même le Brésil qui ne choisit pas et qui refuse de choisir. Interview très intéressante, si vous l'avez noté, du nouveau ministre de Lula. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de partir dans un corner. Et je mets en garde contre ce corner depuis le début, car c'est une folie pour l'Europe. Peut-être aussi pour les États-Unis à terme, mais surtout pour l'Europe, qui va le payer très cher. Un pur contresens géopolitique que d'envoyer la Russie vers la Chine, alors que nous avons des éléments à partager avec la Russie, et que le conflit, je le répéterai jamais assez, le conflit avec l'Ukraine n'est pas un conflit de civilisation. Contrairement à ce que veut faire croire Bernard-Henri Lévy et toute la propagande. Alors, le vent d'ailleurs commence à tourner, même dans la presse française. J'ai vu deux articles que je vous recommande. D'abord, il y en a un premier, c'est la première fois que je le vois, qui montre que j'avais pas complètement tort. Sur Bandera, c'est dans Le Monde. Alors pour que Le Monde fasse une page entière sur Bandera, vous savez qui est Bandera? Bandera, c'est le complice d'Hitler, le grand leader ukrainien qui a organisé la Shoah, qui est responsable du massacre de centaines de milliers de juifs dans l'ouest de l'Ukraine. C'est lui, et c'est ce Bandera que le Parlement ukrainien, le 1er janvier dernier, a honoré. Et c'est pas moi qui le dis, parce que quand je le dis, on dit, oui, il cède à la propagande de Moscou. C'est Le Monde, je vous cite. Le 1er janvier, le Parlement ukrainien a célébré à sa façon le 114e anniversaire de Stepan Bandera en diffusant une photo du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, pouce levé, devant son portrait. L'image s'accompagnait d'une phrase attribuée à cette figure controversée pour Le Monde, quelqu'un qui a travaillé avec les nazis, qui est responsable de l'extermination des juifs. Voilà où on en arrive aujourd'hui, avec la folie pro-ukrainienne. Et la victoire totale et suprême du nationalisme ukrainien aura lieu quand l'Empire russe cessera d'exister. Vous rendez compte? C'est le chef des armées ukrainiennes qui dit ça? C'est lui qui dit ça. Donc quand je dis, et quand nous disons un certain nombre, que nous soutenons, que nous armons un régime qui est fier des atrocités commises contre les juifs, qui a des relents nazis, nous ne le disons pas pour céder à la propagande russe. Je ne fais pas partie de ceux qui étaient d'accord avec l'invasion de l'Ukraine.
Mais il y a un moment où on ne défend pas des valeurs, là. C'est une folie. Je vous recommande cet article du Monde du dimanche 8 janvier. C'est pas moi, c'est le Monde. Je dois dire tout de suite, en fait, c'est la première fois depuis le début de cette guerre que je parle en public. Je veux garder une attitude de chercheur et d'historien, en fait. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui se passe, les causes de cette guerre, et surtout se poser la question de prospective de qui va gagner. C'est quand même les questions fondamentales, en fait. Il m'a semblé qu'une attitude de ce type serait très mal reçue dans un monde débordé par l'émotion, en fait, particulièrement en Europe. Et donc au Japon, je me suis exprimé, et dans les plus grands journaux, les plus grandes revues, et en fait, il y a sur la guerre d'Ukraine, en fait, mais dans ces termes, dans des termes d'essayer de comprendre, et et évidemment, ce qui implique une attitude qui n'est pas l'attitude morale du style Poutine est un monstre, les Russes sont méchants, les Ukrainiens sont blancs comme neige. Vous voyez, à part pour un papier où je disais, c'était après l'intervention de Macron à l'ONU, où il disait qu'il allait falloir choisir entre l'Occident et les Russes. Et donc j'avais fait une chronique du genre, faites attention, si on somme les gens de choisir entre l'Occident et les Russes, ils vont choisir les Russes. Puisque 75% de la planète a des caractéristiques dont on va parler. Si vous voulez, si vous lisez la presse et les événements, ce que vous voyez depuis le début, c'est l'agression d'un petit pays. Et donc là, vous avez l'impression d'un très fort qui agresse un très faible et d'un problème militaire. Alors il y a eu une première surprise, c'est que le très faible n'était pas si faible que ça. Et le très fort n'était pas si fort que ça sur le plan militaire. Alors la raison, c'est que l'Ukraine a trouvé, pour des raisons que je m'explique mal encore, puisque c'était une société en décomposition en fait, ce qu'on appelle le failed state, avec, dont la population diminuait, mais l'Ukraine a trouvé un certain type d'équilibre dans la guerre et d'efficacité dans la guerre, mais bien entendu armée par l'OTAN et par l'ensemble du camp occidental. Et donc, vous pouvez regarder la guerre de deux façons. Vous pouvez la voir comme une guerre d'une Russie immense qui agresse un pays beaucoup plus faible. Mais si vous faites un zoom arrière, eh ben, vous allez voir un Occident immense, pour lequel, en théorie, le PIB russe plus biélorusse combiné ne représente en théorie que 3,3% du PIB occidental, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, enfin l'anglosphère, plus l'Europe, plus le Japon pour la Corée. Et là, vous avez une toute autre impression. Et puis si vous regardez la carte, ce que vous voyez, ça n'est pas du tout la Russie qui attaque l'Ukraine, et puis c'est tout. Ce que vous voyez, c'est une guerre qui se passe aux frontières de la Russie, où c'est l'Occident qui apparaît en position offensive. Plus j'ai avancé dans cette recherche, plus je me suis dit, on en parlera plus longuement, mais je voudrais quand même répondre à la question, que finalement, le cœur de la crise, ça n'est pas la Russie. Au terme de sa tournée africaine, qualifiée par les observateurs d'importante et fructueuse, et visant à renforcer les relations sino-africaines, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a rencontré son homologue égyptien, Samar Chokri, au siège du ministère des Affaires étrangères au Caire. Les deux responsables ont exprimé la profondeur des relations entre les peuples chinois et égyptiens. Le responsable égyptien a salué les efforts de la Chine pour soutenir le processus de développement en Égypte. Notre relation se caractérise par une relation stratégique globale qui porte ses fruits à tous les niveaux. La relation économique croissante entre les deux pays au cours des dernières années a eu de grands effets sur le soutien aux efforts de développement de l'Égypte, ainsi que sur ce que la Chine a exprimé concernant la stabilité de sa coopération avec l'Égypte
dans le cadre des industries et du transfert de technologies. Après sa rencontre avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, le responsable chinois s'est rendu au siège de la Ligue des États arabes au Caire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé la profondeur des relations sino-arabes et la poursuite de la mise en œuvre des décisions convenues par les deux parties lors du récent sommet sino-arabe qui s'est tenu il y a quelques semaines en Arabie saoudite. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa n'ira pas au Forum économique mondial de Davos qui débute ce lundi dans la ville suisse. Dimanche soir, le porte-parole du président sud-africain a déclaré sur Twitter qu'en raison de la crise de l'électricité actuelle, le chef de l'État a annulé sa participation au Forum économique mondial. Selon le gouvernement, Cyril Ramaphosa doit s'entretenir avec des parlementaires ainsi que le Comité national de crise énergétique et le conseil d'administration d'ESCOM, la compagnie d'électricité publique endettée. L'Afrique du Sud a connu des niveaux variables de panne d'électricité en 2022, connue dans le pays sous le nom de délestage. La crise énergétique persistante impacte l'économie la plus développée du continent et constitue une source majeure de troubles sociaux. C'est une marée de parapluies qui défilait dans les rues de Tel Aviv ce samedi soir aux alentours de la place Abima. Pour le deuxième samedi consécutif, les Israéliens sont descendus en masse. Objectif, défendre la démocratie et montrer au nouveau gouvernement qu'il refuse sa réforme du système judiciaire. Parmi les slogans choisis, l'Iran est là, Bibi égale Poutine, où les criminels ne nommeront pas les juges. Le gouvernement israélien devrait comprendre qu'il n'a pas de mandat pour détruire la démocratie israélienne, que le fait qu'ils essaient de détruire les contre-pouvoirs ne marchera pas, et nous allons nous battre jusqu'à la toute dernière minute pour sauver la démocratie israélienne. Je suis venue ici de Turquie il y a 25 ans pour élever mes enfants dans un pays libre et démocratique et je ne veux pas que ça devienne comme la Turquie. Je suis inquiet pour l'avenir de ma fille. Je veux qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Si elle grandit et qu'elle aime une femme, qu'il en soit ainsi. Et si elle grandit et qu'elle aime un Palestinien, qu'il en soit ainsi aussi. Je veux qu'elle ait toutes les possibilités. La situation dans notre pays est très préoccupante et effrayante. Ils veulent nous enlever nos droits et ça m'effraie de penser que nous ne faisons rien pour y remédier et que nous laissons faire. Des communautés sont en danger, comme la communauté LGBTQ et d'autres minorités. Aujourd'hui c'est eux, mais demain ce sera peut-être moi. C'est très effrayant et nous devons être unis. Parmi les manifestants, des personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien ministre de la Défense et chef du parti de l'Union pour l'État, Benny Gantz, ou encore l'ancien premier ministre travailliste, Ehud Barak. Dans la capitale israélienne, environ 1500 personnes se sont rendues devant la résidence du président Herzog, scandant des slogans comme « Bougie, réveille-toi, la maison est en feu ». Il s'agit de la manifestation la plus importante depuis la prestation de serment du gouvernement le 29 décembre dernier. Aide-moi à en faire savoir. Avec vous, Vincent, l'édito international, vous nous emmenez donc au Brésil, une semaine après les émeutes de Brasilia. Un ancien ministre de Jair Bolsonaro s'est fait arrêter. Jair Bolsonaro lui-même est suspecté. Lula tient sa revanche. Oui, l'ancien ministre de la Justice venait juste de se recaser comme secrétaire à la sécurité de Brasilia. Il paye pour l'inertie de la police dans la capitale, mais aussi pour une connivence avec les manifestants qu'il nie absolument. Avant qu'il rentre de ses vacances aux États-Unis, les enquêteurs avaient perquisitionné son bureau et ils ont déniché un projet de décret pour invalider la présidentielle. C'est resté l'état de projet. Mais pour le pouvoir, c'est la preuve qu'il y a eu complot, que le saccage du Parlement est une action concertée. La démonstration est fragile, mais l'ancien ministre dort derrière les barreaux, tout comme 1100 manifestants arrêtés à la porte de la caserne où il tenait un sit-in permanent en suppliant les militaires de faire un putsch. Alors le parquet brésilien veut savoir qui finançait le camp, les bus, qui sont les instigateurs de la manifestation qui a dégénéré. Il faut des coupables, il risque jusqu'à 30 ans de prison pour terrorisme. Jair Bolsonaro lui-même va devoir rendre des comptes. Le parquet lui reproche d'avoir douté de la régularité du scrutin dans une vidéo. Elle n'a pas été mise en ligne avant l'émeute, mais deux jours après, et aussitôt effacée. Il n'empêche, c'est considéré comme
un lien de preuve. Ça justifie en tout cas une enquête globale sur tout ce qu'a fait l'ancien président avant et après l'assaut. Il est suspect désormais d'incitation publique à l'exécution d'un crime. Mais rien il est moins. Il est, ouais, c'est gravissime. Il est aux États-Unis. Pourtant, il est hospitalisé à Miami en ce moment. Hein. Oui, les suites du coup de couteau reçu pendant sa campagne de 2018. Sauf qu'on ne voit plus un martyr cloué à son lit, mais plutôt un type en exil qui se cache derrière les médecins. Ça doit plaire à Lula, qui a lui-même été traqué par la justice. Il y a 8 jours, Lula était un président mal élu après une campagne médiocre avec une majorité de briquet de broc, aucun programme, une opposition puissante. L'émeute aurait dû l'ébranler. Eh bien, c'est le contraire. Quelques heures après, quand il descend la rampe du palais présidentiel, flanqué des présidents du Parlement, du Sénat, du Tribunal suprême et de la plupart des gouverneurs, le vieux cheval de retour soudain caracole. C'est l'union sacrée sous les encouragements du monde entier. Le Brésil était divisé. Le voilà sidéré. Alors l'opinion publique soutient Lula, le monde économique aussi, l'armée maintenant, elle reste l'arme au pied. Lula est un grand metteur en scène. Il a réapparu mercredi pour l'intronisation de 2 ministres. Une ministre indigène avec sa coiffe de plumes blanches, la première dans l'histoire du Brésil. Quel panache! Et puis une militante radicale noire chargée de l'égalité raciale. Le symbole ne coûte pas cher, mais c'est un marqueur de gauche. Et tout est fait aussi pour discréditer son prédécesseur. Le secret est levé notamment sur les relevés de compte de la carte de crédit présidentielle. 20 personnes du cabinet s'en servaient, notamment la sécurité rapprochée. Ils ont dépensé 5 millions d'euros. C'est 2 fois moins que sous Lula. Mais Bolsonaro prétendait ne pas avoir dépensé un centime. Effet dévastateur garanti. 1500 euros payés en 4 ans à des marchands de glace font autant scandale que les 3,5 milliards détournés à Petrobras. Une semaine après l'émeute, la campagne continue. Le Brésil reste au bord de la guerre civile. Signature Vincent Hervault. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on s'intéresse au rapport Frontex sur Absolument. L'immigration qui a été publié en fin de semaine dernière. Frontex, c'est l'agence qui contrôle les frontières de l'Europe. Ces données annuelles concernent le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne. Des chiffres qui sont en très forte hausse, record même. Hein. Oui, très forte hausse. Un mot sur Frontex, hein, c'est cette agence qui a été créée en 2004 pour aider les pays membres de l'UE associés au fameux espace Schengen. Pour les aider à protéger leurs frontières extérieures. Alors, dans ce rapport 2022, l'agence a dénombré 330 000 passages d'immigrés illégaux, en augmentation, Patrick, de 64% par rapport à 2021. C'est la plus forte augmentation depuis 6 ans. Sur ces 330 000 passages illégaux, 50 nationalités sont représentées, mais 47% sont des Afghans, des Syriens ou des Tunisiens. Ce chiffre incroyable, certains disent sous-estimé, de 330 000 migrants illégaux entrés en Europe l'année dernière, exclut évidemment les millions d'Ukrainiens qui ont fui la guerre et sont venus en Europe. Oui, et le cas de la France notamment, et les demandeurs de droit d'asile en 2022, l'année dernière, donc ont explosé. Hein. Oui, le chiffre varie entre 130 et 135 000 personnes. Le plus souvent des hommes, d'ailleurs, hein, puisque Frontex note que les femmes ne représentent que moins d'un immigré illégal sur 10. Donc ce sont des hommes qui demandent le droit d'asile. Ces demandeurs de droit d'asile, loin s'en faut, ne fuient pas que des pays en guerre. Hein. On retrouve des Albanais, par exemple, des Géorgiens qui demandent le droit d'asile. Le droit d'asile doit être évidemment réformé dans notre pays car il devient l'outil d'une immigration de peuplement et non pas économique, dit un expert autour de ce rapport. N'oublions pas que déboutés du droit d'asile, ces illégaux se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes sur le sol national. Le retour aidé financièrement s'est effondré dans notre pays hein, pour ces travailleurs illégaux, ces migrants illégaux, puisqu'il est passé de 10 000 avant la crise à moins de 5 000 aujourd'hui. Oui, c'est ça. La Croatie vient d'adhérer à l'euro en début d'année. Alors, et en matière d'immigration illégale, parce que c'est beaucoup la route des Balkans, hein, et donc justement la Croatie est là-bas. Est-ce que ce pays, par exemple, est armé pour lutter contre ces entrées massives? La Croatie, comme d'autres pays en Europe, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, ont du mal à surveiller, on sait bien, leurs frontières terrestres et maritimes. Dans ce rapport Frontex, on apprend effectivement que le gros du flux migratoire illégal passe par la route des Balkans et non pas par la Méditerranée. Pour revenir à la Croatie, je regardais, hein, ce pays possède 1200 km de frontières terrestres et 5800
800 km de façade maritime. Vous imaginez, pour surveiller, c'est depuis 2013 que la Croatie est le 28e État européen, mais elle a pris l'euro en monnaie commune qu'au 1er janvier dernier. Donc ces pays, ceux que je viens de citer, mais la Croatie est aussi, évidemment, ne peuvent pas contrôler efficacement leur part géographique d'espace Schengen. Ce rapport 2022 de Frontex sonne l'alarme en réalité face à une immigration illégale incontrôlée en Europe. Frontex doit se doter d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens forts et efficaces. Il faut des budgets européens supplémentaires et urgemment, il faut une vraie politique d'immigration, une doctrine protectrice. C'est un général néerlandais qui dirige depuis 3 semaines maintenant Frontex, après la démission, on s'en souvient, avec fracas du français Fabrice Leggeri. C'est le 3e directeur en un an pour Frontex. Preuve que cette agence est en pleine déshérence et n'a pas ou n'a plus les moyens politiques et financiers d'assurer sa mission. J'avais une question, parce qu'en fait je voulais vous interroger sur la corruption au Parlement européen, puisqu'on a découvert avec le Qatargate, enfin au Parlement, dans les institutions européennes, puisqu'on a découvert avec le Qatargate qu'il y avait de l'argent qui circulait, des valises de billets pour acheter des parlementaires. Mmh. Et la commission Covid à laquelle vous appartenez est en train de passer sur le grill Ursula von der Leyen pour ses relations avec Pfizer. Alors, évidemment, c'était l'occasion de parler de ces deux dossiers en même temps, mais est-ce que quand vous êtes devenu député européen, européenne, vous saviez qu'il y avait autant de corruption dans les institutions européennes ? Pour rappel, j'ai commencé par l'audition de Sylvie Goulard. Et c'est important de rappeler cet événement parce qu'en fait, quand on l'a interrogée, on a vu qu'il y avait des casseroles. Elle avait été rémunérée pendant 3 ans par un think tank américain pendant qu'elle était députée européenne. Donc elle doublait son salaire, voire plus, puisqu'elle touchait à peu près 13 000 euros par mois pendant 3 ans. Contrepartie de quoi ? C'est ça la question. Les questions qui fâchent, les questions plus sympas. Et puis là, à cette occasion, puisque tout le monde connaissait Sylvie Goulard, notamment par rapport aux emplois fictifs, et il y avait ce petit cas de think tank qui tournait autour d'elle. Donc moi, je me suis saisie du dossier et j'ai posé toutes les questions autour de, voilà, 13 000 euros par mois, c'est le double de ce que touche un député. Vous avez fait quoi pendant 3 ans ? Et elle a été incapable de produire un travail. Elle a juste sorti un petit rapport de 4 pages sur 3 ans. Donc on sait que le think tank, c'est un think tank américain, c'est un bouillon de culture, d'idéologie pro-USA, pro-Union européenne. Mais en fait, on se demande à quoi ça sert. Et donc, à l'occasion de cette audition, on n'a pas eu de réponse. Et c'est aussi pour ça qu'elle a donc pas pu obtenir ce poste. Et donc déjà, à la base, on se dit, qu'est-ce que ce think tank ? Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il attend après les députés ? Parce que 13 000 euros, c'est quand même pas rien. Est-ce que ça lui a perdu 13 000 euros par mois pendant 3 ans. Ce qui fait à peu près 400 000 euros. C'est quoi l'échange ? Est-ce que c'est juste pour avoir une porte d'entrée au niveau du Parlement ? Est-ce qu'elle a soutenu des résolutions ? Est-ce qu'elle a soutenu des amendements ? On n'en sait rien puisqu'elle a été incapable de produire ses preuves. Donc en fait, déjà à la base, il y avait ce problème. Et puis après, quand on regarde un peu le parcours de tous ces commissaires, Madame von der Leyen, je rappelle qu'elle a été mise là. Normalement, c'était pas elle qui aurait dû être président de la commission. Ça aurait dû être Manfred Weber, qui est donc le candidat du PPE. Et donc c'est Madame von der Leyen qui est sortie donc du ministère de la Défense parce qu'elle avait eu un problème de casserole elle aussi avec des SMS lorsqu'elle était ministre de la Défense avec le fameux cabinet McKinsey, qui se retrouve là. Validé par M. Macron et voté, je rappelle, ça a été effectivement mis au vote, mais elle a obtenu la majorité à 7 voix. Je rappelle qu'à l'époque, on était 751 députés, puisqu'il y avait encore nos amis du Royaume-Uni. Et déjà, voilà, donc c'est quoi l'idée ? C'est qui on met en place dans ces institutions ? Donc déjà, Madame von der Leyen qui a ses casseroles. Quand on regarde de plus près les pédigrés de certains, Monsieur Reinders, je crois que si on regarde de plus près, donc c'est le commissaire de la justice qui, a priori, aurait eu des problèmes en Belgique avec l'affaire en Libye. Kyriakides, qui a dû s'exprimer parce qu'elle a obtenu un prêt par son mari assez conséquent et elle n'a pas pu expliquer
pourquoi, puisqu'il fallait des solidités financières qu'elle n'a pas pu prouver. Kriakides, c'est la commissaire à la santé d'origine chypriote. Exactement. Et après, quand j'entends M. Breton qui dit, oh là là, nous, commission, c'est pour ça qu'on en parle de Van der Leyen, nous, commission, jamais de la vie, tout est transparent, nous, on a des règles. Alors, je veux bien, effectivement, il y a un répertoire de transparence que tout le monde peut aller consulter. J'invite d'ailleurs les gens à aller sur celui de Mme Van der Leyen. Je crois que j'ai sorti ça. Je l'ai ressorti ce matin sur tous les rendez-vous qu'elle a. Voilà, c'est ça. Notamment sur, pendant la période Covid, Mme Van der Leyen, je crois qu'elle a eu 11 rendez-vous téléphoniques. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit. On ne sait pas quels sont les échanges vraiment concrets. À part de dire, voilà, à 11h, à 10h, j'avais rendez-vous avec Pfizer, là, par exemple. Elle dit, Madame Van der Leyen déclare le 26 ans vidéoconférence meeting we see au Pfizer. Après, j'en ai d'autres où c'est Citizen People. Donc ça aussi, 11 rendez-vous avec Citizen People. C'est le truc, les concerts, ONG, concerts pro-vaccin avec U2 et compagnie. Donc effectivement, ils mettent leur agenda. Il y a un minimum. Ils mettent l'agenda. Non, il n'y a pas le contenu, mais vraiment un minimum. Parce qu'après, c'est ce qui est noté dans un des derniers articles, c'est-à-dire que cette ONG, la Fight Impunity, un ancien commissaire Avramopoulos est allé dans les couloirs de la commission. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette ONG n'est pas enregistrée au registre des transparences. Donc vous avez une ONG qui n'est pas enregistrée alors que ça devrait être enregistré. On a demandé l'audition de Mme Van der Leyen depuis le début. Elle est assez réticente pour cette demande de l'audition de Mme Van der Leyen. Mais là, avec ce cas Target, besoin de transparence, besoin un petit peu de redorer le blason de cette institution, là, on est en position de force. D'où le fait qu'hier, en réunion des coordinateurs, on a défendu, qu'il y en a marre de se faire balader par M. Bourla. On veut maintenant que tous ces petits lobbies qui rentrent comme ils veulent au Parlement, on leur suspend leur badge. Le plus tôt et le mieux. Et la seconde demande, c'est qu'on veut maintenant une audition avec Mme Van der Leyen. Cher ministre, chère madame le ministre, si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer. Parce que de temps en temps, vous sortez des choses tellement admirables. Quand vous avez parlé du travail à la chaîne, etc., c'était magnifique. Et là, vous venez de parler à France Info sur la crise énergétique, puisque je le rappelle, vous êtes ministre de la transition énergétique. Et vous expliquiez pourquoi il y a ce problème de l'électricité, soit des coupures, soit de la rareté, soit surtout de l'explosion des prix de l'électricité. Et voici ce que vous disiez. Alors d'abord, Nihila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire bah, « moi je suis prêt à payer plus la crainte pour être sûr de ne pas être coupé ». Mais oui. Mais Agnès Pannier-Runacher, nous vous donnez toujours avec cette lucidité exemplaire qui est la vôtre, la clé du problème. Qui sont les responsables? Les consommateurs qui se sont rués pour acheter des électricité qui étaient prêts à payer 1000 euros le mégawatt, non? Alors ça n'a rien à faire avec l'indexation sur le prix du gaz, ça n'a rien à faire avec la fausse concurrence EDF et tous les petits qui se sont engraissés avec les prix cassés d'EDF qui rachètent 10 fois le prix. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec Fessenheim et les centrales nucléaires à l'arrêt. Tout ça n'a rien à voir. Non. On a trouvé le coupable, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Les consommateurs. Et oui, vous, auditeurs de Sud Radio, vous êtes précipités pour acheter l'électricité très tôt, c'est ça. Merci Agnès Pannier-Runacher. Grâce à vous, on sait d'où vient le problème. Et on sait pourquoi les prix d'électricité se sont envolés. Voilà, eh bien, vous devez savoir, restaurateurs, boulangers, etc., sur qui vous retournez, sur vous-même, bande de consommateurs aveugles et inconscients. Merci, Madame la Ministre de la Transition énergétique. Et quelle énergie! Eh bien, cette fois-ci, si la justice peut faire son travail, elle le fait. Et là, elle l'a fait
pour le, en ce qui concerne un journal en ligne, France Soir. Par une décision en date du 13 janvier, donc il y a trois jours, le tribunal administratif vient de trancher en faveur de France Soir et a prononcé la suspension de la décision du 5 décembre 2022, vous voyez, tout ça est allé assez vite, où la commission mixte paritaire des publications et agences de presse, la très officielle, a refusé le renouvellement de l'inscription de France Soir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Alors, Diane Protat, d'abord, cette CPAP, cette commission mixte paritaire des publications et agences de presse, qu'est-ce qu'elle reprochait à France Soir et qu'est-ce qu'elle a demandé de sanctionner. Très concret, j'ai amené la décision de la CPPAP, donc celle qui était critiquée, oui. Et ce qui était dit le 5 pour retirer donc cet agrément CPPAP, qui en substance permet surtout aux gens qui font des dons à France Soir d'obtenir une défiscalisation sur leurs revenus ensuite. Les lecteurs, qui regardent ce journal en ligne, c'est qui l'écoutent, font des dons. Et entre autres, un journal comme celui-là, et puis que d'autres, il y a énormément de tribunes en ligne, de blogs, etc., vivent de ces dons. Exactement. Et oui. Les revenus de France Soir sont à 90% tirés des dons, dont 70% sont défiscalisés. Et défiscalisables, il y a certaines personnes qui parfois ne demandent pas sa défiscalisation, mais la plupart, comme vous l'avez vu, le font. Et ce qui a été reproché pour retirer cet agrément... Alors attendez, si je comprends bien, non, juste pour être précis, donc ce que demandait la commission mixte paritaire de publication agence de presse, c'est que France Soir ne puisse plus profiter de la défiscalisation. C'est ça. Entre autres, faillite. Quoi, assurer. Exactement, vu la proportion, puisque vous l'avez compris, c'est le modèle de financement de cette presse qui est finalement gratuite, mais c'est parce qu'elle est financée. C'est la presse en ligne en général. Financée par ses lecteurs. Et justement, pour empêcher ce financement, la CPPAP a pris une décision disant « En ce qui concerne France Soir, après avoir examiné les pièces du dossier et les contenus du service, et avoir sollicité l'avis de la DGS, du ministère de la Santé, la commission a constaté qu'était publié sur ce site Internet de manière régulière et univoque, des contenus qui jettent le discrédit sur les vaccins autorisés par les autorités publiques pour lutter contre la Covid-19 et sur sa politique vaccinale et sur la politique vaccinale mise en œuvre par les pouvoirs publics. Ainsi, en délégitimant des dispositifs médicaux et approuvés et recommandés par les autorités sanitaires, le contenu publié sur France Soir sont susceptibles de détourner les citoyens de ces dispositifs médicaux et par là même de constituer un danger pour la santé publique. C'est-à-dire que France Soir inciterait les citoyens à ne pas se vacciner et donc que ça constitue un danger. Alors en fait, il dit que France Soir, vous faites des fake news en encourageant justement la non-vaccination et vous vous dites ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous. Oui, il y a deux points. Pour revenir sur le premier, je rappelle quand même que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que la liberté, elle consiste à faire tout ce qu'on veut, tant qu'on ne nuit pas à autrui. Tout le monde le sait, la liberté, on limite la liberté. Oui, mais là, dit le gouvernement, le CPAP, vous nuisez, François, nuit à autrui. Posez-vous la question, comment peut-on, d'un point de vue de la causalité, reprocher, dire aux gens qu'ils mettent en danger la santé publique en lisant quelque chose? Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que la vaccination, elle n'est pas obligatoire. En tout cas, ce qu'a dit le gouvernement. Alors, si la non-vaccination constituait un danger pour la santé publique, à ce moment-là, si le gouvernement avait été sincère, il aurait rendu cette vaccination obligatoire. Comme elle ne l'est pas, ça veut dire que c'est un choix libre et éclairé de chacun. Pour faire un choix libre et éclairé, il faut avoir des informations loyales et transparentes. Et de ce fait, comment peut-on considérer qu'en lisant un journal, nous allons mettre en danger la santé publique, puisque justement, cette vaccination n'est pas obligatoire? Donc il y a quand même un vice réel du raisonnement dessus. Et à moins de considérer finalement que le danger, c'est la liberté en elle-même, celle de s'informer, peut-être. Et alors justement, de ce point de vue-là, donc le tribunal administratif a démenti, enfin a dit, attendez, vous ne pouvez pas recommander cela. Quels ont été les arguments de la justice, en l'occurrence du tribunal administratif? Alors, l'argument principal qu'a retenu le tribunal administratif, c'est malgré tout la partialité de la présidente de la CPPAP. Cette dame, qui s'appelle Madame Franceschini, d'ailleurs, qui est conseillère d'État et qui préside cet organe, l'année dernière, dans le cadre d'une commission, vous avez peut-être entendu parler, la commission Bronner, qui a rendu un rapport à Monsieur Macron sur, ça s'appelle l'ère des... le numérique à l'ère des Lumières. Oui.
Ça aurait peut-être plutôt été la Pravda à l'ère des Lumières, à l'ère du numérique, si vous voulez mon opinion, mais enfin, quoi qu'il en soit. Cette dame, au mois de janvier 2022, a pris parti publiquement contre François et a dit dans la presse, et c'est ça qui était le plus important, c'est qu'elle souhaitait que la CPPAP retire à François son agrément. Pour être plus précis, elle a dit « S'agissant du cas particulier de François, le seul levier dont dispose la commission serait de considérer que le site présente un défaut d'intérêt général en raison notamment d'allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique. » Or, il y a un principe d'impartialité, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, même sans être juriste. Quand vous êtes le juge d'un dossier, vous ne pouvez pas être le juge si... Et ça, elle l'avait dit en janvier dernier. An avant, publiquement remis à M. Macron, et donc elle aurait dû se déporter. Donc c'est à ce titre que ça a été suspendu. Mais néanmoins, beaucoup d'éléments ont été portés à la connaissance du tribunal, dont la défense de la liberté d'expression, mais également la constitutionnalité même de l'existence de la CPPAP, parce que mon confrère Dimeglio a posé une question prioritaire de constitutionnalité qui, elle, a également été renvoyée, sur laquelle il faudra statuer pour savoir si cette organe en lui-même, qui est, dont les représentants sont majoritairement ceux du gouvernement, est indépendant ou pas. Donc il y a un problème fondamental qui est celui-là. Vous posez la question de toute façon pour tous les autres. De l'indépendance de cette commission mixte paritaire d'éducation et agence de presse. Indépendamment de la décision qui est un succès pour François, de toute façon, le Conseil d'État et ensuite, je l'espère, le Conseil constitutionnel devront statuer sur la légalité même de cette commission. Mais donc vous l'avez compris, il y avait des éléments de procédure, donc la partialité de la juge, mais également un problème de respect du contradictoire, puisque cette note de la DGS, du ministère de la Santé, qu'on oppose à François, on n'en a jamais eu communication, donc normalement on doit pouvoir quand même se défendre, c'est anormal, et par ailleurs le règlement interne de la CPPAP a été violé deux fois et gravement. La première, c'est que la convocation à l'ordre du jour a été adressée un jour avant la séance aux membres, et non pas huit jours, mais également il y a eu, c'est important, une fuite de la décision dès le 30 novembre dans la presse et sur les sites du ministre, alors que François même n'avait pas reçu cette décision. Et ça, c'est la violation du secret du délibéré. D'accord. Ça, malheureusement, la violation du secret de l'instruction, vous le savez, et je ne dis pas, je ne le défends pas du tout, mais malheureusement, c'est devenu, hélas, monnaie courante.